Salut, c'est Alain Rey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh putain, je vous ai pranké. Les amis, bienvenue, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo. Ma barbe, elle a disparu. C'est une longue histoire qui explique aussi pourquoi j'ai un suçon sur le nez, qui n'a pas été fait par un humain, calmez-vous tout de suite. Ni par un animal, calmez-vous encore plus. Vous saurez le pourquoi du comment de ça dans environ 2 semaines, je vais pas vous spoil. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un fan game. Souvenez-vous, il y a 9 mois pour être exact, on avait fait une vidéo sur un fan game où un fan s'était amusé à faire vraiment un jeu avec une petite histoire, c'était hyper cool. Il avait modélisé ma maison et ça m'avait littéralement bouleversé parce que c'était hyper réaliste. Vous avez maintenant 2 secondes pour deviner qui m'a envoyé un mail hier. Yo Squeezie, ça y est, c'est aujourd'hui plein d'émotions que je t'envoie cette version finale du chapitre 2. J'espère que ce nouveau chapitre te plaira et qu'il plaira à la communauté. Donc je vous rappelle que dans le 1, en gros, il y a des gens qui me faisaient revenir dans le passé pour fouiller ma mémoire en pensant que j'étais mort, mais j'étais pas mort, donc je revivais moi-même vraiment mon passé. Bref, après qu'ils aient essayé de te ramener dans le présent, l'inconnu te guidant au travers du talkie a étrangement réussi à les stopper. Mais celui-ci vient de se faire enlever sous tes yeux par quelqu'un que tu connais bien. Tu te réveilles perdu dans le temps. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a pu provoquer tout ça? Seras-tu capable de sauver Jumbo, retrouver l'homme au talkie, voire plus, sauver le monde? Bon, avant ça, tu vas te faire éclater une bonne dizaine de fois. Sorry, sorry. Le mec met les points sur les i. C'est parti. Squeezie, lève-toi! Tant pis, il faut que tu te lèves, elle arrive! Elle arrive! Qui arrive? C'est drôle! La putain de lampe! Il avait raison, la prophétie s'est réalisée! A fucking Squeezie Day! Benjamin! Ok, ça joue. Chapitre 2, les origines. Alors on est dans le laboratoire Squeezie. Voilà, je possède actuellement mon propre laboratoire. Ça c'est un employé à moi, bien sûr. Clément, tu as très changé. Il m'a dit de regarder un peu partout, hein, qu'il y a des petits détails à pas rater. Administration, Skyart et un stagiaire. Personne connaît son nom, Jiraya ce qui paraît. Docteur Mikalo, avocat commis d'office. Le premier qui vient me faire chier pendant une de mes parties d'Overwatch pendant que je travaille sera reçu avec un coup de pied au cul. Eh Mika, reste tranquille, même dans les jeux, Mika, il fait le mec. Regarde-le là, ce putain de Mikalo, ils l'ont fait avec une bonne calvitie. Tu sais ce qui t'attend quelques années, Mika? Jumbo, notre sauveur. Ça va super loin. Le grand JD, expert botaniste. Oh là là, il a calé des poteaux. Docteur Nozman, scientifique de l'année. McFly et Carlito, on sait toujours pas ce qu'ils font dans cette entreprise. Rappel, ne pas approcher cet individu. Coiffure pouvant varier. Téton pressurisé type 10 mm, corps de lâche. Taille 170 cm. Yes, il m'a respecté. Ça me fait plaisir. Le 169 cm, il est plus là, mon gars. Big Flo et Oli en concert. Oh, la petite pub pour Big Flo et Oli, calmement. Il s'est gavé, mec. Oh shit. Oh shit. Oh merde! Je suis Keblo! Non! Non! Je vais crever? Oh putain, ça va partir en fight. Ça part en fight, mec, j'ai un pied de biche. Et crois-moi, on va pas faire de mécanique ou d'enfonçage de porte. D'enfonçage, j'arrive plus à parler. Oh putain, tout est parti en couille! Allume la lampe torche, bordel. Eh, hey, ça va! Il m'a agressé, putain, il sait que je suis nul. Oh! Oh, c'est Hulk! Yes, ça putain! Oh putain, fils de chien! Putain! Pardon, excusez-moi, je vais crier pas mal, hein. Je vous préviens d'avance, mais il m'a fait peur aussi. Oh! Fils de chien. Yes! Putain, mais il va falloir que j'ai du skill en fait. Je peux vraiment crever là. Mikalo, au lendemain de soirée, quand il a trop joué. Moi, je me casse. On va pas chercher l'embrouille avec les espèces de petites aliens de merde là. On s'en va d'ici. Ah! What the f. Oh! Putain, enculé! J'ai plus de vie, mec. Il me reste que 40 HP. Alors, faut que j'aille là. Ah, c'est fort! J'ai peur. Il y a eu des pas. Il y a des pas, il y a un mec. Oh, c'est la lampe! Vous l'avez vu? C'était la lampe! Mec, on va devoir aller voir, hein. Mais il est con, ça va exploser. Ah, c'est fort! Oh putain! Ah, y a un conduit, faut que je prenne le conduit. Ok, nouveau chapitre. Bon, on a eu un gun. On a eu un gun, mais on va économiser les balles. Quoique, on en a 34, on est ici. Oh merde, j'avais oublié les touches. Damn it! Oh putain! Tu entres, tu meurs. Ici, c'est chez moi. Verrouillé par carte d'accès. Merde! Je passe par là. Mauvaise idée. J'ai peut-être tiré beaucoup trop de balles par rapport au monstre que c'était, mais je me suis chié dessus, ok? Ils t'observent. D'accord. En tout cas, ils savent pas mettre d'apostrophe, hein. Ça c'est. Ça c'est clair. Il y a un téléphone qui sonne. Yes! Ouais? Ouais? Ok! C'est cool! Tu es une personne très glauque! Bah d'accord, et pas sympathique en plus. Trouver son signe astrologique pour ouvrir un bureau, ça n'a aucun sens. Déjà, ça veut dire que tous les mecs qui sont nés sur la même période que moi peuvent ouvrir mon bureau. Bon, moi c'est Verseau, hein, si jamais. Alors, cadavre, Cyril Hanouna, non. Furoncle, non. Squeezie, flèche avec un caca. Ouais, déjà, respecte-moi, putain. C'est ça là qu'il faut trouver là. Ça c'est Verseau, ça. Sur les colis, y'a pas un Verseau? Un verre d'eau? Peut-être c'est un jeu de mots. Et non. Bon les amis, je galère tout, vous savez quoi, on va l'appeler directement. Ah bah, c'est pratique, hein, d'avoir le numéro du dev du jeu, oui. Allô? Ouais, vieux, c'est Lucas, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien! Écoute, je trouve pas mon signe astrologique. Tu trouves pas ton
ton signe astrologique? Bah je sais ce que c'est mon signe astrologique, mais je le trouve pas dans le jeu, sur les murs. J'ai cherché partout. Partout? Partout. Est-ce qu'il est bien sur un mur ou pas du tout? Et c'est bien sur un mur, c'est bien sur un mur. Putain, j'ai échoué, je suis dégoûté. J'ai pas envie de t'aider là, hein. Le début. Vers le début, ok. Bah écoute, je me démerde et au pire, je te rappelle si besoin. Bonne chance. Merci. Merci. Putain, il est génial en plus. Je suis dégoûté. Je suis en train d'échouer, les amis là. Putain. Ah, il est là. Non. Par contre, je sais pas ce que je dois faire. Merde. Peut-être que c'est ouvert le bureau en fait. Attends, on va voir. Et peut-être qu'il y a des nouveaux monstres. Ça m'étonnerait pas. On va se méfier, on va prendre le gun. Hein. Prêt à tirer, rom pa pa pam tel Rihanna. Attention. T'es vraiment. Benjamin, je vais t'appeler, je vais t'en mettre une. Hein. Attention. Hein. Alors, le bureau. Est-ce qu'il va s'ouvrir ce bâtard? Yes, I motherfucker! Alors, y'a quoi dans ce putain de bureau? Carte d'accès. Ok, maintenant je sais où faut aller. C'est cette porte là. Bureau docteur de croix, spécialiste de la survie en milieu hostile. Entrée interdite car il est vraiment taré. Mais mec. On bat les couilles, frère. Faites demi-tour ou mourrez. Ouais, mais mec, c'est la suite du jeu, je peux pas me barrer. Dernier avertissement. Mais non, mais mec, mais je suis obligé d'y aller. Ah! Allez, encore un. À quoi ça sert? Je mets des messages partout. Si c'est pour que personne les lise. Non, mais y'a eu un problème. Non! Quizzy? Bah ouais mec. Maintenant je vais te péter ta gueule. Oh le bâtard. Ah il m'a vraiment flingué. Oh merde, y'a un truc à faire en fait, faut que je trouve quoi faire. Merde, 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 merde. Je pense qu'en fait faut juste que je me baisse. Si je me baisse je meurs pas hein, normalement. Non. Comment je fais? M'en bats les couilles, je rappelle Ben, ça m'énerve. Me dis pas que t'as toujours pas trouvé. Si j'ai trouvé. Ce que j'ai pas trouvé c'est comment échapper au fusil à pompe du mec bourré. Regarde sur ta droite. Oh j'ai vu. Ok, excellent, merci, à très vite. À toutes. Je dois tellement le décevoir, le pauvre Ben. Il se dit, putain, mais pourquoi j'ai pas fait un jeu pour Amixem et de faire un faux Squeezie. Le pauvre. Alors, on est bien là. Mec, on a un pompe maintenant, c'est lourd ça. Yes, I. Hey, oh non. Bien que tu peux pas trop passer par là. Oh merde. Bâtard. Il va y avoir un truc à faire. Il y a un truc sur lequel tirer, maintenant je connais l'astuce. Wow. Allez. C'est dans Resident Evil ça. Oh shit. Quel joueur pro! Alors, sale bâtard, qu'est-ce que tu vas faire? Merde! Mais c'est chaud! Non, je suis nul, putain! Oh, le bolos! Toi, t'es au laser, toi! Faut se mettre sur le rebord pour sauter! Voilà. Ah ouais, bah j'avais fait, je suis juste nul alors! Oui, voilà, c'est pour ça! Eh Ben, attention, hein, attention! Hein. Oh! C'est le dernier ou pas? Oh putain! Oh putain! Oh putain! On a fait peur. Ok, faut faire gauche-droite, ça va être du slalom. Oh. Oh. Non. Mais mec, c'est super chaud, ça s'arrête jamais. Ok, on va y aller, on va y aller. Faut mettre un petit Claude François dans les oreilles et on est bon, c'est parti. Cette année-là, Putain, je vais y arriver. Allez Claude François. Le public me connaissait. Yes. Yes. Ah. Attends, si je me mets au milieu, je crois que ça passe. Yes! Cette année-là. Non! Non, il y en a pas encore. Non, mais là, c'est, ça me décapite. Oh, calme-toi! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou! Oh putain! Mais comment je passe ça, mec? On peut faire un morpion, on aurait tellement y a de laser là! Attends, peut-être avant que ça se forme. Attends, je vais te donner une idée. Yes! C'est bon! Je suis passé avant que ça se forme! Eh Ben, il va être fier de moi, j'ai pas eu besoin de l'appeler pour résoudre ça! Ok! Woo! Oh là là, je crois que c'est la dernière ligne droite. Attention, Rambo mode! Bonjour, c'est Monsieur Dream! Putain, mais non, on avait dit Rambo mode! Fais chier! Tu la fermes, Cyprien! Ta gueule, Mika! C'est qui le prochain, putain? Arrête, Maxence! Yes, de la vie! Oh, c'est le boss final! Oh! Ah mais tabarnak, mais ils sont fous. Aïe. Yes. Foutez-moi la paix maintenant. Putain. Ça rigolait pas cette épreuve là. Squeezie, j'aurais vraiment cru qu'il y avait plus rien en stock. J'en peux plus. Regarde, tu vas te décontaminer la gueule moi. Non. J'en peux plus. Il m'a endormi. Pourquoi il m'envoie? Mais je lui ai fait quoi? J'ai fait quoi à ce mec? Oh oui. C'est beau ça.
Comment je peux plus autant la merde, c'est incroyable. Les amis, c'est la fin de ce premier épisode, il n'y en aura que deux. Et je préfère diviser en deux parce que sinon ça va faire une vidéo d'une heure et c'est quand même un peu long. On est actuellement à la moitié du jeu, il m'avait prévenu, Ben il m'avait fait bon quand t'es sur le bateau c'est la moitié. Merci Ben de m'avoir prévenu. Pas merci de m'avoir fait autant souffrir au niveau des lasers, mec. Putain, j'ai vraiment cru que j'allais arrêter, que j'allais rage quit et que cette vidéo n'allait pas sortir. Et que t'aurais codé 1000 heures un truc qui finalement ne sert à rien. Chet. Je vous dis à bientôt pour la seconde partie, du coup ça sort incessamment sous peu, vous en faites pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.